Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un skill test. Un skill test, et oui, nous sommes en skill test. Nous sommes bien évidemment avec une jolie voiture, let's go. Nous sommes avec la Kuroma. Alors on aura plusieurs véhicules dans ce skill test. On est sur PS5 et du coup c'est en fait mon premier skill test sur PS5. Et d'ailleurs ça commence très mal parce que nous avons raté le point qui était collé du coup pour le coup. Alors on va essayer de ne pas tomber, de faire un 100% perfect. Si ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas pour le moment ça a l'air plutôt bien de se passer. Alors d'ailleurs on est en live les soirs à 21h en ce moment. Donc là on est jeudi, alors vous regardez cette vidéo. Donc ce jeudi il y aura bien un live les gars. On sera sur PS5 en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ce soir à 21h, on est en train de recommencer un perso à zéro, on a déjà 4 millions de dollars en même pas 7 heures de live, donc c'est pas mal en vrai. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et l'oiseau monte tel un monteur, donc croyez-moi que c'est pas mal. Alors, faut que je descende ici. Je pense que oui. Oh, ok, point de téléportation. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Alors, petit point easy pour le moment. Donc, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Par contre, moi, il fait pas bon. Peut-être descendre ici, je pense. Ouais. Ça, c'est pour les joueurs de RP, les gars. Et là, il fallait en... Ok. Alors, par contre, il faut me prévenir. Parce qu'à chaque fois, ils ne nous préviennent pas. C'est vrai que là pour le moment c'est un peu Weekend Berries. Il y aura plusieurs véhicules, donc on aura la Kuroma, on aura également le Blazer et tout. Donc pour l'instant valide, rien de ouf, rien de compliqué. Donc disons qu'il faut pas faire un imp maintenant. Parce qu'un skill test, tu veux le faire parfait. Ok, perfecto, faut pas tomber ici. Ok. Ok, c'est bon, c'est parfait. Surtout ne pas tomber, car si tu tombes, c'est chaud. Et d'ailleurs dans les commentaires, attendez je me gratte, ouais, il y en a beaucoup qui me... Ouh là va, j'ai failli tourner ici. Il y en a beaucoup qui disent, ouais genre une c'est pas un skill test parce que t'as respawn une fois, etc, etc. Alors qu'en vrai, je suis pas tombé. Donc un skill test, c'est quand tu tombes. Et en l'occurrence, voilà, il y a l'eau, non, mais c'est pour ça que je me suis dit, j'ai bugué à un moment donné. Ok, on est en blazer, donc c'est normal. Ok, doucement les gars. On est en blazer à quoi les gars? Donc faut vraiment pas faire n'importe quoi en blazer à quoi. Parce que je peux vous dire que si tu fais n'importe quoi en blazer à quoi, tu risques de tomber. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment easy quoi. Il n'y a rien de compliqué. C'est trop. Ok, là, on passe au deuxième véhicule. Donc il y aura 4 véhicules dans ce skill test. Pour l'instant, on est tombé 0 fois. En même temps, il n'y a pas vraiment de truc où tu peux ne pas tomber ou pas. Je pense que vers là-bas, ça va un peu plus se compliquer. Ça m'a l'air d'avoir des trucs. Et pour l'instant, le level n'est pas ouf. Alors, c'est noté à... Il me semble que c'est noté à 47%. Je crois que la course est notée à 47%. Ok. Ok. C'est là. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce que là, il suffit que je tombe une fois, et voilà. Et voilà, j'ai tourné trop rapidement. Ok. Eh bien, pour l'instant, on est tombé une fois. Aïe, 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 j'aurais pu éviter de tomber. Là, 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 mais non, mais non, mais non, mais non. Le problème du blazer à quoi, les gars, c'est qu'il tourne trop bizarre. Oh yeah, yeah, je suis tombé parce que le truc. Voilà. Bah là, on peut le dire, ce n'est pas un 100% perfect. Voilà. Le blazer à quoi tourne trop bizarre. Donc là, encore une fois, ça me l'a fait. Donc vas-y, j'étais quoi? Je vais y aller en mode rush maintenant. Et forcément, si vous allez en mode rush, faut pas faire un imp. Ok. C'est dommage, hein. Franchement, c'est vraiment dommage.
Je pensais quand il disait blazer, c'était le quad, quoi. Et là, c'est le blazer à quoi il aurait précisé. Il aurait dû préciser. Ok. Ok, c'est bon, je prends. Ouais. Bon, en vrai, j'aurais pu éviter de tomber. Hein. En vrai, de vrai. Il n'y avait rien de compliqué. C'est juste qu'en fait, comme je vous ai dit, regardez là, le blazer à quoi, comment il tourne. Il tourne trop. Il est trop vif en fait. Donc, forcément. C'est un peu bizarre. Et surtout, il est rond. Donc, en fait, quand tu tombes, tu peux plus te rattraper et tout. C'est bon, c'est passé. Alors, on passe au troisième véhicule de ce skill test. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? La Gister? La Gister, c'est. Ouais. Ah oui, du coup, là, c'est là où on va voir un peu les loopings et tout. On va peut-être passer aux choses sérieuses, là, les gars. Parce que depuis tout à l'heure, en vrai de vrai. À part le blazer à quoi? Ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'on a. Putain, on a failli faire. On aurait pu faire un parfait en vrai. Je suis deg. En vrai, je suis deg. Parce que franchement, je sais que je peux le faire. Tu vois, le perfect. Mais là, en l'occurrence, eh bien, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors. Ok. Attends, mais ça, c'était pas le truc qu'on avait tout à l'heure là? Qu'on voyait de loin? Ok, on a un point de téléportation, je sais pas, on va te téléporter où. À pied? On est à pied? Ah ouais. Il y a un problème là. Ok, me dis pas qu'il faut tomber tout en bas là. Ah ouais, ça va être hard. C'est bon? Ok. Faut aller où là? Ok, faut prévenir par contre les trucs comme ça, les gars. On va aller sur le côté là. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont pas prévenus. Ok, j'ai envie de me mettre en mode machin, mais le problème c'est regarder. Ah, c'est bon. Ouais, je vais aller sur le côté en fait. Je vais me mettre en mode jet ski. Je me mets juste sur le côté en fait, juste pour rouler ce truc. Sur le tuyau et on est bon. Ouais, mais regardez des fois où elle descend. C'est bon. Là, on peut se remettre en mode jet ski. Ok, un peu bizarre le parcours, un peu bizarre ce skill test. Et donc pour le moment. Il y a des endroits un peu incompréhensibles et tout. Un peu flou. Mais pour le moment, on peut valider. On est tombé que. Pour aller, en vrai. Le truc qui nous a dégommé. Bon, il y a une grosse explosion derrière moi, je pense. Je pense, faut que je respawn ou pas? Ah bah non, en fait, faut que je tienne là. Vous voyez comment il tourne le blazer à quoi? Trop chelou. Allez, monte, 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 monte. C'est bon. C'est passé, les gars. Alors ça, depuis tout à l'heure, on le voit, mais on n'y va pas. Mais je pense que là, on va y aller. Et je pense pas qu'on va y aller en blazer à quoi. Là, on va changer, non? C'est le point final? Je sais pas si c'est le point final. Mais en tout cas, je peux vous dire que je vais bombarder. Ok, T20. Ok, pourquoi pas. Bon, là, je peux bombarder un peu plus. Ok. Alors, peut-être un peu inutile le boost. Parce qu'en vrai, on n'a pas besoin.
Tu vois, le boost c'est un peu trompeur. Est-ce que pourquoi c'est un peu trompeur? Parce que ça bouge assez bien. What the fuck? Attends, mais on va vraiment monter ça là? Attendez, je prends la petite miniature, les gars. On va vraiment monter ce truc là? Bon bah on est parti hein, j'ai envie de dire. What the fuck? Alors ça c'est de la tour. Ok. What the fuck, en plus elle est penchée les gars. Allez, en moto, c'est easy, normalement on ne tombe pas. On a à peu près un mur comme ça à monter. C'est un peu grand. What the fuck? Il reste encore 2-3 étages, je pense. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut déraper à chaque fois. Oh, par contre, on est bien en haut là. Je pense qu'on va bientôt avoir le point d'en bas. Eh ben, c'est bon. Voilà, je vous ai dit quoi, les gars. Oh, petit skill test. Petit wall ride en Kuruma, pas mal. Alors, faire quoi là? Comme ça? Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors ça, les créateurs là, je crois que tous les créateurs du monde ont dû faire un parcours avec ça dessus. Et quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Hein. Oh my god, en plus si tu te fail au wall ride là juste après, ah ouais t'es mal. Hein. C'est bon. Heureusement qu'on gère la wall ride, j'ai envie de dire. On a fini? Oh oui, on a fini, je crois. Eh bien, écoutez, c'était skill test. Niveau. Franchement, là, je sais pas trop. Hein. Je pense plus à un niveau débutant, parce qu'honnêtement, c'était vraiment simple. Mais j'ai fait des petites erreurs de débutant. Tu vois vraiment des petites erreurs. Là, il nous montre le parcours. Voilà ce qu'on a fait. Bon, en vrai, c'était stylé. J'ai même aimé la petite tour là en moto. Elle était pas mal. Ok. Bah, la petite tour en moto était stylée. Oui, on aurait pu mettre un avion, je pense. Hein. Ça aurait été la même. Après, je pense pas qu'il puisse mettre d'avion comme ça. Et ben voilà, point final, les gars. Ouais, du coup, la moto ça va. Le blazer à quoi on a galéré bah, au parcours là. Mais sinon, c'était Rick and Bermings in the Stress. C'était une pour vous servir. Pouce bleu, abonnez-vous ce soir live à 21h.